défi redoutable. Il sera ardu, impitoyable et diabolique. Vous échouerez souvent. Et c'est exactement ce que nous voulions en créant le jeu. Oui. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Votre approche de la situation a été agressive. Vous en sortirez pas comme ça. Calme-toi. Brrr. Tue-le. Brrr. Bam. Achouya. Pichouya. Ouais. On doit tous garder espoir. On va s'en sortir, je vous le promets. Qu'il s'empare de nos recherches, passe encore, mais... Pourquoi nous haïssent-ils au point de nous condamner à une mort certaine sur cette planète congelée? Ils nous haïssent pas, Xenolifer n'a agi ainsi que dans l'intérêt de sa mission. S'ils nous haïssaient, ils nous auraient butés. Weakness is a disease, and I am the cure. Fait plaisir de te voir, merci pour la propagande. Oh, je vois, tu penses qu'ils ont fait preuve d'indulgence, c'est ça, Burden? Personnellement, j'aurais préféré une balle en pleine tête. On est vivant. Je peux vous sortir de là, Liam. Je peux vous sortir, et Liam le sait très bien. Les gens de Xenolifer ne sont pas des assassins, ils défendent la liberté. Au final, ils ont pour seul but de libérer toutes les races extraterrestres de l'esclavage. Une noble cause. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? J'espère bien que la Fédération constellationniste va les écraser comme des mouches. Je respecte leur cause, mais je suis en total désaccord avec leur méthode. Le terrorisme ne mène à rien. Le terrorisme. C'est juste un terme utilisé par les grandes nations pour qualifier les minorités qui s'opposent à elles. Et merde. La façon dont la Fédération constellationniste se débarrasse de ses ennemis et réduit les extraterrestres vaincus à l'esclavage me paraît bien plus terrifiante. Et moi non plus. Je n'aime pas les méthodes extrêmes de Xenolifer, cher docteur. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Everdusk, Company for the New Universe Knowledge. Et Cuc prône la neutralité, le respect de la justice, de la science et de la vérité. Voilà qui est respectable. Sans aucune motivation politique ou religieuse pour justifier leurs actes, mais simplement du bon sens. Ouais, c'est incroyable la façon dont Everdusk s'applique à nous mettre bien dans le pétrin. Je les adore. Jack, désolé, mais j'ai vraiment les boules. Ordure, fumier, pourriture, ordure de Xenolifer. Ah, les charognes. Allez, on commence avec ce jeu qui va nous mettre dans le mal. Un an plus tôt. Vous êtes attaqué à la mauvaise nation. On a de la compagnie. Le système de piratage est prêt. Liam, les otages sont sous contrôle. Je vous en prie, ne faites pas de mal à mon équipe. Bon boulot, vous tous. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention quelques instants? Nous sommes ici au nom de Xenolifer. Vous serez nos invités pendant que nous récupérerons les données nécessaires à la poursuite de nos recherches sur le virus Meduser. Franchement, vous avez fait du beau travail sur cette saleté. La Révolution profitera largement de votre contribution à la recherche scientifique. À présent, laissez mes amis faire leur travail et il ne vous arrivera rien de fâcheux. Jack, ne laisse pas ces foutus gardes s'approcher de nous. Je m'occupe d'eux, chef. Shaman, maintiens la sécurité du réseau pendant que je pirate leur base de données. Enfin, je vais pouvoir juger de la puissance de ton nouvel outil de turbo-piratage amélioré. Ils verront rien venir, ces connards. Et toi, Abraham, prends le commandement pendant que je suis plongé dans ce truc. Occupe-toi des otages. Ne les mets pas trop à l'aise ou ils penseront qu'ils peuvent échapper à un... Ne les mets pas trop à l'aise ou ils penseront qu'ils peuvent échapper. Je sais plus lire, merde. De notre côté, si tu t'occupes pas assez d'eux, ils se révolteront. Et ne les effraie pas non plus. Pas au point en tout cas qu'ils tentent une évasion suicide. Pendant tout le temps du piratage, je compte sur toi pour superviser l'équipe. Aide Jack dans ses négociations, tout en gardant un œil sur le travail de Shaman et l'état du réseau. En bref, fais en sorte que tout se passe bien jusqu'à ce que mon piratage atteigne 100% et que la mission soit achevée. Avec plaisir. Et Abraham, n'hésite pas à nous poser des questions, on n'est pas à quelques secondes près. Xenolifer, au travail! Alors, comme je vous l'avais dit, ces situations de crise, c'est un jeu de gestion de situations de crise, et rien de mieux pour se mettre dans le train que la première mission avec une... prise d'otage.
Il y a rien de mieux qu'une prise d'otage pour se mettre en jambe. Alors, hop. Tac, tac, tac. Alors. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que je voudrais avoir un visu sur le couloir. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà. On a deux écrans, des actions, tue tous les otages. Non, ça c'est game over. C'est game over pour le niveau. Putain, j'ai repris ma vieille chaise de bureau. Elle grince à mort. J'espère que c'est pas gênant sur le live. Alors, Shaman, déjà, tu vas me pirater la caméra. Tu montes le couloir. C'est fait pour le plaisir de tes yeux, Abraham. Ça marche. Alors. On va déjà commencer les négociations pour pas qu'ils avancent. Non, c'est plus où on fait un carnage. Ok, ok, restez calme, on reste sur nos positions. Ok. Là, ils ont l'air d'aller pour l'instant. Charge de turbo-piratage. Ça charge, n'oublie pas. Le turbo-piratage est un procédé complexe. On ne doit lancer que quand les chances de succès sont suffisamment élevées. Ok. Hop. Charger le turbo-piratage. Négocier. On va renforcer la sécurité parce que notre sécurité laisse à désirer. Ils ont l'air calmes là pour l'instant. Vas-y, charge le turbo-piratage. Toi là, tu es trop détendu. Je vais la frapper, elle. Oh! Voilà. Ils sont un peu moins calmes là, voilà. Ils sont normaux. Négocier. Non, c'est pas! On fait un carnage! Charger le turbo-piratage. Je le connais, ton jeu. Ah bon? Sérieux, Tlan? Putain, j'ai jamais fini. Je t'ai peut-être montré une fois, mais j'ai jamais fini. J'ai joué vendredi dernier, vite fait, mais sinon, non. Bute-les tous! Non, 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 non. Non, non, c'est un jeu qui me tient par les valseuses. On se calme. Renforcer la sécurité. Oula, 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 toi, tu es... Lui, c'est... Voilà. Lui, là, les deux, là, sont en mode détente. Genre, c'est la thalasso, quoi. Hop! Coup de pied dans la bouche! Voilà. Ils sont un peu moins détendus. Hop. On négocie. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier? Alors, tac, on charge le turbo-piratage. Ouais, je t'ai montré, ouais, parce que ce jeu te tient par les couilles. C'est pas impossible. Ah, tiens, on voit un bout de la chaise du chat. On voit plus de bout de la chaise du chat. Il est en mode il a peur ou il est en mode il va s'échapper, là? Non, il a peur, il est stressé. Enfin, il est stressé, il est pas trop stressé. Lui, il est en totale détente. Charger le turbo-piratage. Ah, il est distrait. Hop, on le frappe. Ta gueule! T'as raccourci ta barbe? Ah non. À aucun moment, j'ai raccourci ma barbe. Quand il y a des poils de barbe qui font ça, tu sais, non. Et ils sont là. Non, non, du tout, du tout. Non, c'est plus où on fait un carnage. Hop. Putain, chaman, renforcer la sécurité, merde. Donc, le principe, c'est de que ça, là, tout ça, ces deux barres soient remplies. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, là, avec le turbo-piratage, on va remplir cette barre. Chargé de turbo-piratage, il est distrait. Ah! Ah, mais lui, il est stressé à mort et lui, il veut s'échapper. Ah putain, comment je vais faire? Lui, il faudrait que je lui parle et lui, il faudrait que je lui mette une balle dans la bouche. Je vais le frapper. Ta gueule!
Calme-toi. Oh putain, oh putain, oh putain, ils ont avancé là-haut. Ils ont avancé, je l'ai vu. Regardez, regardez, bande de salauds. Genre en mode, ouais, ouais, on avance pas, ouais, bien sûr, ouais. Coup de pied dans les burnes pour les calmer. Alors, attaque-les. Ah, on va tous mourir. Tu négocies. Ok, il bouge plus, normalement. Renforce la sécurité. Ah, il s'échappe! À mort! Bla! Va en salle de repos. Calme-toi. Et je vais juste rentrer chez moi! Abraham, qu'est-ce que tu fous? C'est des tarés, ces otages, pas facile de les faire tenir en place, ok? Pour cent, s'il n'en reste qu'un seul otage, plus rien retiendra ses gardes! On n'a pas beaucoup d'atouts en main, ils vont se montrer de plus en plus agressifs! Ah, c'est pas bon ça. Oh, calme-toi, on t'a dit! Négocier. Notre base de données est trop bien protégée. Allez, on va aller essayer de lancer le turbo-piratage. Ouais, 77%. Initialisation du processus de turbo-piratage. Tu es prêt, Liam? Vas-y. Stabilisation des routages réseau, ouverture des pilotes synaptiques. C'est bon. Le turbo-piratage prêt. Commence le compte à rebours. 3, 2, 1, démarrage. Et merde, putain. Bah, Liam, il a l'air d'aller bien, là. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Renforcer la sécurité. Je veux m'enfuir. Alors, tu veux t'enfuir? Tiens, on a de quoi te calmer. On tire dans la jambe. Bam! Comment tu vas courir, là? Hein, comment tu vas courir? On les attaque. Ah ouais, c'est en train de mal tourner ici. Non mais où est-ce qu'on va? De quel droit on fait ça? Putain, Jack, réveille-toi! Chiron, on va tous y rester! Ah, je peux pas! Ah, putain, mais quel salaud! S'occuper de lui. Je l'engueule. J'en peux plus! Je peux pas le croire que c'est toi qui as survécu au désert de Léguine! C'est pas le moment d'avoir des scrupules, reprends-toi et appuie sur la gâchette! Ok, sergent, d'accord. C'est toi le chef. Tu les attaques? Ils sont collés, là! Ils sont là! Bon, ouais, ça va, il a l'air de bien aller. Où tous les otages? Il y en a deux sur le sol. Bah tiens, toi, je t'ai tiré dans la balle. Vas-y, voilà. Prends un cheat magique à la Resident Evil. Tiens, c'est la bombe de... Voilà, ça guérit les balles, la bombe des footballeurs. Renforcer la sécurité, oui. Comment il se porte, là, l'autre connard? Ça va, tranquille, quoi. Je tourne la tête 2 secondes et il y a 25 morts. Mais ouais, mais ils sont cons ces otages. Charger le turbo piratage. Waouh, 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 pourquoi vous avancez? Attaque-les! Ah, mais ça monte tout seul! Ah, j'avais pas vu ça. C'est genre pour accélérer, mais ça monte tout seul. Je reviens l'autre. Je vais pouvoir négocier parce que là j'ai plus qu'un seul otage. Ah, c'est bon, il est en mode détente. Hop, tu reviens. Tu reviens, tu reviens, tu reviens. Ils ont avancé. Il faudrait qu'on fasse la sécurité. Il faut juste que je... Ah! Il faut juste que quoi? Attends, non, ça va l'énerver. Ça va le stresser. Attaque! Voilà, ça l'a détendu un peu. Là, il voulait s'échapper. Renforcer la sécurité. Il est distrait. Oui. Yonorek, fais plaisir à toi. J'en peux plus de cette situation. Ah putain. Ah putain de merde, jeu de con.
Lui, il est un peu trop détendu, donc s'il me voit, ouais, on va tirer dans la jambe de son pote. Ne forcez pas à le faire. Tirer dans la jambe. Si, on tire dans la jambe, d'où on ne forcez pas à le faire. Calme-toi. Lancez le turbo-piratage, allez. 3, 2, 1... What? Avec 97%? Non mais t'es sérieux? Barrez-vous! Attends, il faut le soigner là. La bombe magique. Pchit, hop là, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. C'est bon, tu t'es calmé. Attaquer. Tue-le! Blin! Calme-toi! C'était juste ton pote. Vous pouvez me relâcher en échange de médicaments ou de la sécurisation du réseau. Calme-toi. La prochaine fois, inutile de détourner le vaisseau contre un petit billet. Je vous le livre. C'est le pchit du footballeur, ouais, c'est exactement ça. Putain. Enfin, c'est la sécurité. Il y a un petit tas de cadavres. Alors, c'est pas où on fait un carnage. On n'a pas besoin qu'ils avancent, on a tué tout le monde. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. La prochaine fois, inutile de tourner le vaisseau. Attaque! J'en peux plus! Ta gueule! Ne me tuez pas, par pitié! C'est quoi ce jeu? C'est Gods Will Be Watching. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans le titre. Hop, je mets dans le titre. C'est un jeu d'Evolver, ouais, pour la soirée vendredi Evolver. Tous les vendredis soirs, généralement, on fait des jeux... Tant que j'ai des jeux à faire d'Evolver Digital, qui est un studio qui est génial. Elle commence bien, cette partie, ouais. C'est vrai que là, c'est comme ça. Alors. Pourquoi j'ai mis un hashtag? Je peux mettre un hashtag? Que cette merde, j'ai jamais mis un hashtag. Bon, bah écoutez, hein, y aura un hashtag de trop. Hein. Voilà, hein, le chip, le temps que ça s'actualise chez moi. Alors, qu'est-ce que quoi? Renforce la sécurité, chaman, merde! Je veux m'enfuir, je veux m'enfuir! Ta gueule! Tirez dans la jambe. Ah! Mais ça puce le sang! Mais non, mais non. Charge de turbo-piratage. Ça, il est encore vivant, il gigote encore. Maintenant, on le soigne. On est en cours de kit de traitement des plaies. Ah merde! Ah merde! Non! Ah non! Ça fait quoi si je soigne pas? Bah, on a plus de traitement des plaies. Bah écoute, faut que tu tiennes, mon gars. Renforcer la sécurité. Ça, on va voir combien de temps il tient. Mais c'est rien, ça va, t'as la cuisse qui pisse le sang. Oh putain, mais quel douillet. Charger le tube en piratage. Ça charge. C'est moi ou plus ça, moi il gigote. Non mais ça, il est en pleine forme. Allez, on est à 100%, là tu vas pas me dire que ça va louper quand même. À 92-93%, ça a loupé. Vas-y, 3, 2, 1, allez! C'était génial. Ah! Ah ouais, plus ça, moins il gigote! Il a pas l'air frais, le bonhomme. Je pense que le mec, plus ça, ouais. Il est en train de faire une anémie ou comment ça se passe? Bonjour! Je fais partie de l'église de Lexang. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Renforce la sécurité. Charge de turbo piratage, merde, vite, il va claquer. Jack, attaque. Oh putain.
putain. Oh, c'est bon, il est un peu plus blême. Oh, le pauvre. Je sais pas, on a pu le soigner combien de fois? Charge le turbo piratage, vite, il va clapser, on va plus avoir d'otages. Charge. Ah, oula. Oula. Monsieur? Monsieur? N'allez pas, je suis pas le tunnel, merde. Plus d'échappatoire, vous serez tous abattus. Il est pas blême, il est mort, là. Paf. Aïe. Bon. Gods have been watching. Les dieux ont été témoins. Donc là, ça, gestion de situation de crise, un petit simulateur. C'est juste la mise en bouche, tu vois, tu fais... Bah, petite mise en bouche, un petit apéricube à la prise d'otage. C'est... Tiens. Et le reste, c'est... au-dessus. En tout cas, le niveau 2, il est tellement au-dessus. En termes de stress, en termes de difficulté. On vient de faire quoi, là? Ouais, bon, allez, vas-y, charge le turbo, mes couilles. Ta gueule! Blah! Calme-toi. J'ai juste mis le frapper, mais c'était normal. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. J'ai juste mis le frapper, mais c'était normal. J'ai le turbo... Renforcer la sécurité. Je veux m'enfuir. Je veux m'enfuir. On va lui tirer dans la cuisse, ça va le calmer. BAM! Ah, ça les... C'est... Ah, ça... On va attendre un peu, on va attendre qu'il soit un peu plus lent au niveau du soin. T'as pas des menottes ou des serre-câbles, mais non. Tiens, tiens, il souffre un peu, c'est... tout va bien. On attaque. On va tous mourir! On négocie. Je veux m'enfuir. Non, mais regarde. Calme-toi. Tout va bien. Abraham, bon sang, calme-moi ces otages! Je suis un peu trop leur pote, là, c'est vrai, ouais. On peut peut-être lancer un turbo piratage, 75% quand même. Allez, turbo piratage, on tente. Allez, allez, on tente. 3, 2, 1. Est-ce que je vais l'avoir dans le cul? Yes, c'était génial. Bon, ça nous a fait un petit boost. Bougez plus, bande de chagasse! Tue-le! Bam! Bon. C'est un peu la misère, là. Calme-toi! Je crois qu'on peut négocier. On peut négocier. N'avancez plus ou on fait un carnage! Il n'y a plus qu'un seul mec. Renforcer la sécurité, merde! Je veux m'enfuir, mais non. Calme-toi. Calme-toi. Négocie. Calme-toi. En force. Que là, là, ça monte quand même un peu. Négocie. Ah, on va s'en sortir, regardez. Vous avez confiance? Moi, j'ai confiance. Calme-toi. On le caresse. On caresse son chauve. Faut toujours penser à bien caresser le chauve. Le chauve apprécie la petite caresse sur son crâne luisant. Eh oui! Moi, vous me caressez la tête, je suis tout content, je suis tout fluffy après à l'intérieur. Allez, on renforce la sécurité. On négocie. Bougez pas, bande de salopes! En fait, c'est plus simple quand il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus qu'un seul mec. Ouais, ça doit être pour intimider. Oui, c'est pour les faire stresser quand ils sont trop détendus, quoi. Charge le turbo mes couilles. Charge le turbo mes couilles. Hop, négocie. Ah là, il est en mode détente là. Renforce la sécurité. Mais toi là. Waouh. D'où tu es en mode détente? Bam. Tu es un peu trop détendu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Charge les turbo mes couilles. On y est presque. Négocie. Shaman, renforce-moi cette putain de sécurité! Compris, ces pourris n'entreront pas dans mon système.
Frappez. Bam. Ouais, je sais pas, il me plaisait pas. Mais j'ai rien fait, vous m'avez pas posé de questions. Ta gueule. Alors, tac. Renforcer la sécurité, oui. On négocie. On charge le turbo mes couilles. Même si on... Je veux m'enfuir. On te calme. Regarde, voilà. Caresse l'occiput. Négocie. Ah, c'est génial. On se tire d'ici. Ah, on a fini. On se tire d'ici. Vous ne quitterez pas cet endroit vivant. Chagas. Pouf. J'ai perdu. Ok. Abraham, Jack, lâchez votre arme. Yam, par devant, tu as une révolution à mener. T'inquiète pas pour nous, on a connu bien pire. Ah, je vous laisserai pas mourir ici, je vous le promets. D'accord, mais va-t'en. Hut. Oh, les dieux auraient été témoins.